Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un peu une espèce de... Je sais pas. En fait, je vais vous parler de tous les produits que j'ai achetés depuis à peu près le début de l'année. Produits que j'ai achetés, que je vous ai parfois montrés en vidéo, parfois que je vous ai montrés très très brièvement, enfin bref. Et je vais vous parler de tous les produits que j'ai achetés depuis le début de l'année. Je recommence. Et ça va être plein de mini-revues en fait. J'ai énormément de retard dans mes revues sur mon blog, donc je me suis dit que ce serait pas mal comme ça que, quitte à vous montrer les nouveaux produits que je teste, je vous montre en fait ce que je pense d'eux. Donc, mini-revue, c'est parti. En début d'année, je me suis acheté plusieurs produits Colourpop. J'ai fait l'acquisition de deux palettes. Les deux palettes, les voici. Il n'y en a qu'une seule sur les deux qui a un miroir. Je dois dire que je trouve la qualité plutôt bonne pour le prix que c'est. Ma préférée des deux va quand même être la palette en collaboration avec I Love Sarai, mais les deux ont de très très belles couleurs. Ça se travaille très bien sur les yeux, c'est très joli. Couleur pop, il leur faut un petit peu d'aide, mais avec une base pour paillettes, voilà, ou mouiller un peu le pinceau avec un spray fixateur pour pouvoir prélever et appliquer plus de... que ça les rende plus métalliques. Mais sinon, on fait de très jolis maquillages avec. Ils demandent pas trop d'efforts. Certaines de ces couleurs sont un peu plus sèches que d'autres, mais globalement, pour me maquiller avec, j'ai eu strictement aucun problème. Il y a quelques chutes pour certaines de ces couleurs. C'est des palettes que j'aime beaucoup. Pour le prix, je trouve que ça vaut franchement le coup. Alors les anti-cernes, je suis pas fan du tout. Déjà, je me suis trompée de couleur, j'ai pris beaucoup trop clair, mais bon, ça c'est un détail. Donc ça c'est la couleur fer 04, fer 08. Il y en a un qui est un peu plus rosé pêche. Mais c'est extrêmement clair pour les deux. Alors la consistance est agréable à travailler sous les yeux, mais je trouve ça pas forcément très couvrant, ça bouge beaucoup, c'est un petit peu desséchant, enfin ça fait pas un joli dessous les yeux, je trouve que ça bouge beaucoup sous les yeux en fait. Et à chaque fois que j'ai utilisé cette anti-cerne, j'ai trouvé que mon maquillage du teint était pas réussi du tout. Ensuite, il y avait dans ce petit lot Colourpop la poudre No Filter Setting Powder, donc j'ai pris la translucente, qui est pas transparente d'ailleurs parce qu'elle est un peu jaune. Alors la texture est assez fine, vous voyez elle est un peu jaune, mais honnêtement il y en a partout. Elle est pas mal, mais sans plus par rapport à toutes les autres poudres que je possède. Je préfère encore utiliser ma poudre All CMA qui pour moi par rapport à la contenance est bien meilleure, parce qu'au final ça c'est une toute petite quantité de 8,5 grammes. Je suis pas fan. Ensuite il y avait un glossy ultra lip et un ultra matte lip. Alors les ultra matte, je les trouve plutôt pas mal, bien mieux que ce que les gens ont dit dessus. La couleur est jolie, le produit est sympa, la texture est assez fine, bien plus fine que ce que je pensais. Il faut deux couches au moins pour avoir quelque chose d'opaque sur la bouche. Ils sont plutôt pas mal. C'est les ultra glossy lip. Donc je l'ai swatché juste là. Alors c'est glossy, mais je trouve que l'application n'est pas homogène en fait. Sur la bouche, ça fait pas joli. En début d'année, là vous l'avez vu plein de fois, mais alors du coup il y a de la poudre partout dessus. La Venus XL 2, j'ai fait une vidéo complète dessus, je vous la mets juste là. La vidéo première impression, il me semble que j'ai fait dessus. C'est une palette que j'adore. Elle était encore dans mes favoris le mois dernier. J'adore cette palette, la qualité est dingue. Je pense qu'elle vaut entièrement son prix et les couleurs sont très originales par rapport à ce qu'on peut trouver d'habitude. Il n'y a rien à acheter là-dedans, tous les fards sont excellents. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé Ripe et Classical. Donc Ripe en fard médium, Classical pour intensifier le point externe. J'ai fait le milieu de ma paupière avec Laurel. J'ai mis en point en touche lumière radiante et j'ai utilisé en dessous de l'œil Forbidden. J'adore cette palette, je vous la recommande un milliard de fois. Et il me semble qu'en ce moment il y a 30% sur le site de Feel Unique. Allez-y. Le site Colors and Makeup m'avait envoyé quelques produits dont la poudre Nabla Close Up est très très bien, plutôt pour les peaux mixtes à grasse. J'avais eu ce pinceau là avec, qui est franchement génial. J'adore la forme de ce pinceau poudre et je peux vous dire qu'il tient extrêmement bien le coup, il perd pas ses poils. Ensuite, du coup, la collection s'est agrandie. Le fond de teint Close Up futuristique est sorti, j'adore ce fond de teint. Je le portais hier, aujourd'hui j'ai voulu changer, mais il est... d'une couvrance moyenne, mais il laisse quand même la peau être
tout en cachant et en unifiant. Le rendu est super joli, la tenue est super bonne. J'adore ce fond de teint. Franchement, j'adore ce fond de teint. Et il venait avec deux pinceaux. Alors, il venait avec le Precision Powder Brush. Il perd ses poils un peu. Sinon, j'aime bien le manchet court, il est joli. Il perd un peu ses poils au lavage. Une ou deux fois sur le visage. Mais alors, ma grosse déception, c'est celui-là. Donc ça, c'est le Foundation Buff-Up Brush. Et en lavant l'autre jour, en fait, il y a un bout qui m'est resté dans les mains. Donc je pense qu'il y a un problème de colle, un petit problème de fabrication. C'est dommage parce que c'est un excellent pinceau à fond de teint. Mais il est bon à acheter là. Pour mon kit, j'ai acheté ça. C'est les créateurs de teintes sur mesure de The Body Shop. Plusieurs mois maintenant que je les teste, je sais même plus quand est-ce que je les ai achetés. Donc il y a le Lightening et le Darkening. Pour vous expliquer le concept de ce produit, donc ce sont des flaconnettes avec des pipettes, donc il y a un blanc et un marron pour pouvoir éclaircir ou foncer la couleur d'un fond de teint, d'un produit liquide ou d'un anti-cerne que vous avez déjà. Indispensable quand on a un kit et qu'on veut pas emmener 20 fonds de teint dans son kit parce que ça pèse lourd au bout d'un moment donné, les bouteilles en verre. Ce que j'aime dans ces produits, c'est que ça change pas la texture des fonds de teint dans lequel je vais ajouter et le mélanger. Le blanc, je suis assez fan. Je suis un peu moins convaincue par le marron. Avec certaines couleurs, ils virent légèrement grisâtre parfois. Ça fait une texture un peu gel sous les doigts quand on les touche. Ensuite, bah tiens, il y a ça justement, je l'ai mis dans mes favoris il y a pas longtemps, c'est le Instableur All-in-One de The Body Shop dans la couleur Universal. Alors c'est une base qui contient des silicones. Par rapport au produit que c'est et ce qu'il fait, avoir des silicones à l'intérieur, c'est pas très surprenant. Pour les peaux grasses, c'est un de mes petits miracles de mon kit. Il faut en mettre un tout petit peu parce que avec les bases siliconées, si vous en mettez trop et que vous mettez le fond de teint après, ça bouloche. Donc point trop dans faux, mais il matifie très très bien et il garde très très bien en place sur les zones très grasses du visage les produits pour le visage. Vous avez compris ce que je veux dire. Ensuite, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, je sais pas quoi en faire, je pense que je vais peut-être le jeter ou peut-être essayer de lui trouver une maman qui l'aimera beaucoup. Le BK Skin Love Weightless Plump Foundation de BK. Le souci que j'ai avec, c'est que je trouve qu'il s'oxyde. La couleur à l'application sur moi, elle est fantastique. Mais au bout d'un moment donné, je suis orange avec et c'est un problème. C'est un fond de teint très 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 léger, mais j'ai envie de vous dire que par rapport à ça, niveau texture, en l'essayant plein de fois après, par rapport à ma première impression, je préfère encore un produit comme... Je n'ai pas arrêté de vous en parler l'année dernière, c'était un produit Lancôme qui faisait un peu crème teintée comme ça, mais il avait vraiment un effet soin et un effet embellissant sur la peau que du coup je préférais le Lancôme à celui-là. Le Skin Feels Good. Les eyeliners de Dior, le Dior Show On Stage Liner. Alors, j'aime beaucoup. La mine est super sympa, assez souple. Vous voyez, j'ai écrasé assez facilement le... C'est assez souple, la couleur est très belle. Il faut bien secouer l'eyeliner avant de l'utiliser, sinon vous allez avoir une couleur qui est un peu diluée et vous allez devoir repasser plein de fois dessus. Ils tiennent très bien, ils bougent pas, et je les trouve très waterproof. Ça ne transfère pas sur ma paupière en haut même en ne mettant rien sur ma paupière. Vous voyez, je suis paupière tombante si je ne mets pas de base, si je ne poudre pas mes paupières et que je passe directement à un eyeliner, encore plus l'été, j'ai automatiquement un transfert sur le haut parce que j'ai ma paupière qui touche en fait le haut. Avec cet eyeliner là, c'est un problème que j'ai pas. La palette contour de chez Dior. Si vous voulez vraiment l'utiliser en highlighter, il faut quand même être plus clair à moyen que clair hein, au niveau du ton de la peau. Et cette couleur là par contre, elle est assez facile à utiliser même sur les peaux très claires pour faire un contour. Je trouve la couleur très réussie, la poudre est hyper douce, ça n'accroche pas les zones sèches, ça se travaille hyper bien sur la peau. J'aime beaucoup 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 cette palette et elle est très petite. Arrêtez de faire des packagings immenses pour les produits, ça c'est pas possible. Je ne sais pas comment les ranger dans mon kit moi après. La It Cosmetics Bye Bye Pore Pressed, donc la poudre pressée de It Cosmetics. J'adore cette poudre, mais vraiment j'adore cette poudre. Je trouve que elle fixe très bien le teint, elle floute les imperfections, elle fait un teint velouté de malade. Mais alors, je vais vous montrer dans quel état elle est après avoir essayé de la transporter dans mon kit. Donc, normalement une poudre pressée c'est fait pour pouvoir être transportée.
bah, elle est en morceaux la mienne. Donc du coup, bah, je ne la transporte plus, je la laisse tranquillement là. Je me tâte à acheter la version libre pour pouvoir la mettre dans mon kit parce que je trouve que elle est supérieure à la RCMA No Color Powder. Après, elle est peut-être par rapport à la poudre RCMA un peu moins matifiante entre guillemets, mais cette poudre a un tellement beau rendu sur la peau, elle fixe tellement bien anti-cerne et tout. Enfin, j'adore cette poudre, mais elle est en mille morceaux quoi. Je vous conseillerais pas la version pressée du coup. Après sinon elle va se transformer en poudre libre quoi, donc autant acheter la libre. À Noël j'avais eu celui-ci et après je me suis acheté tout cela. Ils sont dans mon kit aussi, ce sont les Fenty Beauty, les gloss bomb. Ce sont de super gloss, je les aime beaucoup. Donc je trouve qu'ils sentent bon. Je trouve qu'ils ont un rendu fantastique sur la bouche, ça se sent pas. Enfin, ça se sent pas. Ils ont une odeur, mais ça se sent pas au niveau texture sur la bouche, si vous voulez. La texture est fine. Ça fait un très très beau rendu. Mon préféré des trois, c'est Fussy. Donc le rose. Je pense pas nécessairement que vous avez besoin des trois. Alors, il faut savoir que le Diamond Milk, comme il a des nacres qui sont un peu blanches comme ça à l'intérieur, vous allez avoir un effet sur votre rouge à lèvres qui va être, si vous en mettez beaucoup beaucoup, un peu blanchissant. Enfin, ça va faire. Enfin, on va voir les nacres en fait. Le rose est mon préféré, donc ça va être difficile de vous vendre, de vous dire prenez celui-là, mais Fussy, il est magnifique. Et les gloss sont très bons. Ils sentent un espèce de bonbon caramel, je sais pas. Ah, combien j'en ai sous la main là? J'en ai 4. J'en ai plus que ça. Ce sont les Fit Me de Maybelline. Alors, ce sont de très bons anti-cernes. La texture est fine. La couvrance est moyenne, je dirais. Par rapport à la texture, ça reste assez cohérent. Si on vous dit que ça a une couvrance totale, c'est parce que la personne plâtre de 3 tonnes d'anticerne le dessous de ses yeux. Mais non, vraiment, c'est moyen. Si vous avez les cernes très colorés, il faudra mettre un correcteur en dessous. Mais la texture est très agréable à travailler. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Après, je trouve qu'il a une durée de vie dans le temps assez limité, c'est pas l'anticerne qui tient le plus longtemps sur moi. Après j'aime beaucoup l'utiliser vu que sa texture est assez fine sur les peaux qui sont un peu plus matures. Et j'ai pas trouvé qu'il filait dans les plis. J'ai eu des commentaires de personnes qui me disaient qu'il filait pas mal dans les plis, mais moi j'ai pas trouvé. Et je l'ai utilisé sur des personnes qui avaient plus de 60 ans. Les crayons de Linda Ahlberg. Alors, ce sont des crayons que j'aime beaucoup, mais pas tous. Mon moins préféré de tous, c'est celui-ci, c'est le Light Core. Je trouve qu'il ne tient pas du tout. Il fait bouger, transférer les marrons ou les noirs que je mets au-dessus. Il ramollit tout autour de lui. Il fait des petits paquets quand on essaye de l'appliquer deux fois. Je n'aime pas du tout ce crayon. Les autres sont bien meilleurs. J'ai le grès, j'ai le marron, j'ai le noir. Ils sont très très bien. Oh, bah, je vois d'ailleurs qu'on peut voir que je l'utilise pas mal. Hein. Je l'ai taillé, il est bien plus petit que son copain. Ça, c'est le marron, c'est celui que j'utilise le plus. Le noir aussi, je l'utilise pas mal. Ils sont crémeux, ils se travaillent bien. On peut même s'en servir de base en les estompant assez vite parce qu'une fois qu'ils sont secs, ils tiennent très 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 bien. Et ils tiennent très très bien sans baver. Je trouve quand même qu'ils transféreraient peut-être légèrement plus que les Marc Jacobs. Les Marc Jacobs au niveau du sans transfert les surpasse, mais c'est pas mal du tout quand même. Ensuite j'avais acheté ceci pour le tester pour mon kit parce que j'ai la carte NARS Pro maintenant et donc le Radiant Creamy Concealer. En plus je m'étais trompée de couleur. Bah c'est un anti-cerne que j'aime pas, figurez-vous. La couleur que j'ai c'est quoi? C'est Café au lait Light 2.4. Je trouve qu'il tient pas très bien en place. Alors effectivement il est assez crémeux. Peut-être trop crémeux, je sais pas, mais j'arrive pas à l'appliquer sur les peaux sèches parce qu'il marque les ridules. J'arrive pas à l'appliquer sur les peaux grasses parce qu'il fait pas beau. J'arrive pas à l'appliquer sur moi parce que je trouve qu'il tient pas. Je n'aime pas du tout cet anti-cerne. Peu importe les quantités que j'en mets, j'arrive pas à le faire fonctionner. Je vous le conseillerais pas. Et puis voilà, je sais pas quoi en faire maintenant ce truc là. Alors ça, je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo favorite. C'est la crème, la Everywhere Multi Cream All Over de Lanolips. C'est une crème à tout faire, un peu dans l'esprit de Embryolis. Ça sert à tout. Vous pouvez mélanger votre fond de teint avec pour avoir une crème teintée. Ça peut s'appliquer, ça peut s'utiliser en crème de secours, en crème hydratante, en crème nourrissante, en crème pour les yeux. Ça fonctionne hyper bien. Quand j'ai une cliente qui a les yeux, contour des yeux hyper desséchés, je vous explique pas comment ça lui fait du bien. On peut l'utiliser en masque, en crème pour bébé. C'est une super crème et j'aime bien son odeur un peu de bébé comme ça.
Enfin bref, c'est une crème que j'aime beaucoup. J'en ai pas parlé, mais je m'étais acheté ça pour le tester. Chat, j'arrive plus à parler. C'est l'encre interdite, l'encre à lèvres de Givenchy. C'est une nouveauté et j'avais trop envie de le tester. Le packaging est sympa, l'applicateur est sympa, la couleur est très jolie. Mais le produit, ben, je l'aime pas. C'est censé être sans transfert et je trouve que, ben, essayez pas de faire un bisou parce que sinon vous allez en mettre partout. Et c'est dommage parce que la couleur est très très belle. C'est vrai que ça fait pas épais sur la bouche. C'est vraiment plus une encre à lèvres comme les encres à lèvres de Yves Saint Laurent. Au début, je pensais que ça allait faire comme les Matte Shaker. Me demandez pas pourquoi, je sais pas. Je pensais que ça ferait ça, que ça ferait un espèce de fini semi-mat qui se sent pas sur la bouche, qui est sans transfert, nickel. Et en fait, on est plus proche d'un produit comme le Yves Saint Laurent et en plus ça transfère. Donc, j'aime pas énormément ce produit et pourtant la couleur est super belle. Mais après, ça dépend de ce que vous recherchez. Et puis voilà, parce que bon, à la limite... Et après, ça laisse effectivement, vous voyez, comme une encre à lèvres, la teinte sur la bouche. Mais le fini est assez brillant. Donc voilà. Je vous l'avais montré en Insta Story, c'est le Sig Magic, le shampoing 100% naturel. Donc le shampoing pour les pinceaux. C'est un gros bidon de 200 ml, ce qui est pas mal. Je pensais que ça allait me finir en moins de 2 et je l'ai encore. Et vous savez que je nettoie beaucoup de pinceaux tous les jours. Très efficace pour la plupart de mes pinceaux. Plus difficile à enlever. En fait, je suis obligée d'utiliser beaucoup plus de produits pour tout ce qui est pinceau anti-cerne, pinceau à fond de teint où les poils sont très denses et où les produits waterproof, vous savez, les fonds de teint que j'utilise tiennent très très bien, et à nettoyer après avec ça, c'est beaucoup plus difficile qu'avec le savon Beauty Blender. Après, sinon, ça fonctionne bien. La façon dont j'ai compris qu'il fallait l'utiliser, c'était de mettre un peu de mousse dans la main et de tout de suite mettre le pinceau dans la mousse et de frotter. Et après d'ajouter de l'eau et de rincer. N'essayez pas de mouiller votre pinceau ou de mouiller le savon trop tôt parce que sinon ça fera rien du tout. Vous nettoierez rien. Voilà. Donc il y a une technique d'utilisation. Ça fonctionne pas mal. Mais j'aurais aimé que ça fonctionne encore mieux pour les produits waterproof. Pour les fonds de teint, surtout waterproof ou mes anti-cernes. Ensuite, on a bientôt terminé. Il y a ces deux produits-là que j'adore, je vous les ai déjà montrés, c'est les Shimmering Skin Perfect Liquid de BK. Je les trouve très beaux et encore plus réussis que les versions poudre. Donc j'ai Opal et Moonstone. J'en ai sorti trop, magnifique. Donc ça, c'est les versions voyage et je trouve que pour 20 ml, très franchement, il y en a quand même pour une grosse utilisation. Celui que j'utilise le plus souvent, c'est Moonstone, donc c'est peut-être celui-ci que je rachèterai en grand format. Mais ils sont magnifiques. Ils sont très faciles à utiliser. Ils ont un très beau rendu sur la peau. Ils ont de très bons highlighters poudre. Ça a été mes favoris pendant très longtemps. Mais la formulation de ces poudres-là maintenant est un peu dépassée. Ça a été dépassé par des choses qui sont beaucoup mieux à l'heure d'aujourd'hui. Mais les enluminants liquides sont magnifiques. Ils s'utilisent à même la peau nue. Ils s'utilisent sur le fond de teint, sur la poudre. Vous pouvez les tapoter avec le doigt par-dessus, même avant, après avoir poudré, sans problème. Est-ce que vous allez voir que je les ai là ? Ah ! Alors, j'ai mélangé Moonstone et Opal. C'est très très beau à utiliser. Je les adore. Je vous les conseille vraiment vraiment. Je vais vous montrer, donc c'est dans mes favoris aussi, donc je vais passer très brièvement dessus. Ce sont les Great Brows Kit à sourcils de MAC. J'ai trois couleurs et le soleil qui bouge et qui est super intense ce soir. On l'attend depuis une éternité et là il se décide. Du coup, je sais pas si vous allez voir ce que je vous ai montré. Mais bon, les kits à sourcils sont très très bien. Les petits pinceaux à l'intérieur, ça sert strictement à rien. Mais j'adore les couleurs qu'il y a à l'intérieur. La texture des produits, ça tient assez bien pour une poudre. Un peu moins sec au niveau de la texture quand même que les duo poudres de chez Anastasia. Ce sont d'excellentes couleurs. Il y en a deux pour pouvoir s'adapter au mieux à la couleur du cheveu. Il y a une couleur illuminatrice qui est aussi très très belle. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que par exemple, si vous êtes comme moi avec la couleur Lingering, donc qui est le châtain un peu chaud, la couleur illuminatrice est un peu plus pêche et assez foncée sur moi qui ai la peau claire. Ça fait pas vraiment
illuminateur, mais les couleurs sont très très belles. Et c'est très poudreux, presque crémeux, vous savez. Donc je vais vous la remontrer quand même, mais je vais passer très rapidement dessus parce que vous savez que j'adore ce produit. C'est la palette Skin Deep Eye de NARS, qui est la nouvelle base de mon kit, j'ai presque envie de vous dire. Cette palette, je ne m'en lasse pas. Les couleurs sont très jolies, ça a l'air neutre comme ça, mais tout le monde a besoin d'une palette de neutre de toute façon. Tout le monde. Mais si, arrêtez un peu. On pourrait même faire les sourcils avec. On pourrait même faire du contour avec cette couleur qui est là. On peut faire de l'eyeliner avec le brun noir qui est ici, qui est super joli. Il y a un peu de couleur neutre, mais enfin, elles sont super belles. Il y a un peu de doré, il y a un peu de... comme un taupe. Il y a un rose, il y a une couleur plus foncée. C'est magnifique. J'adore cette palette. C'est ma palette de base. Et très souvent, quand je maquille une cliente, j'utilise un fard de cette palette-là, même si j'utilise une autre palette. Donc voilà, elle est super belle. Voilà, donc je vous ai parlé de, je crois, tous les produits, ou presque, parce que je m'en garde quelques-uns pour une pour de futures vidéos, conclusions, mini-revues, quand je les aurai plus testés. Donc ceux-là, je ne vais pas vous en parler. Surprise, ce sera pour la prochaine fois. Mais là, je vous ai parlé de tout ce que j'ai acheté depuis janvier. Ou ce que j'ai reçu d'ailleurs, parce que des produits, je n'avais pas acheté, je les ai reçus. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé quelques-uns de ces produits. J'aimerais bien avoir votre avis dessus, si vous les aimez aussi, si vous les aimez pas aussi, si vous arrivez à faire fonctionner cet anti-cerne aussi, ça m'intéresse. Je vais vous faire plein de gros bisous, vous souhaiter plein de bonnes choses et vous dire à la prochaine en espérant que vous serez là. Bye bye.